Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Et aujourd'hui je vais te montrer 4 petites idées pour ranger tes bracelets parce que c'est pas toujours évident de retrouver le bracelet qu'on aimerait porter. Donc je vais te montrer 4 façons différentes pour pouvoir les ranger correctement. À toi de choisir celle qui t'arrange le plus et d'y mettre ta petite touche personnelle. Alors, le mois dernier j'avais déjà fait une vidéo dans ce style là pour ranger les bagues. Et les mois qui suivront, ça sera pour ranger les colliers et les boucles d'oreilles. Donc, affaire à suivre. Et pour ces petites astuces-là, les 4 petites astuces, ce n'est que de la récup. Je n'ai rien dépensé du tout, j'ai utilisé des choses que j'avais chez moi. Donc logiquement, tu devrais trouver exactement la même chose que moi. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier exemple. Et pour ça, j'ai utilisé une boîte à chaussures. Je suis venue découper le couvercle qui me servait pas du tout. Et sur les côtés, il y avait des petites languettes qui me gênaient, que je suis venue découper aussi. Et pour customiser la petite boîte, au lieu de la laisser comme ça parce que c'est pas très joli, hein, même si j'aime bien le rouge et puma, ça le fait pas trop quoi, voilà. Et bien au lieu de peindre la boîte, j'ai décidé d'utiliser du papier cadeau. C'était plus sympa à emballer, même si j'ai bien galéré finalement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de petits défauts, mais c'est pas grave. Moi ça me va très bien comme ça parce que c'est du fait main, et s'il n'y a pas de défaut, et bah c'est pas drôle. Et pour cette première version, eh bien je viens tout simplement poser 2 vases à l'intérieur. Donc tout dépend des vases et tout dépend de la boîte qu'on a choisie. Donc moi j'ai pu mettre 2 petits vases à l'intérieur. Et qu'on pourrait très bien remplacer aussi par des petites bouteilles en verre que Coca fait par exemple. Mais ça ce n'est qu'un détail. Et donc maintenant j'ai plus qu'à ranger tous mes petits bracelets autour des vases. Donc voilà pour la première version. Et pour la deuxième version, eh bien je viens récupérer ma boîte parce que je fais du home staging. Et j'avais pas envie de customiser une autre petite boîte, alors j'ai gardé la même. Et je suis venue prendre des pics à brochettes. Et je voulais pas les laisser comme ça parce que ça ressortait pas assez par rapport à la boîte que j'ai choisie, vu que c'est du papier craft plus les baguettes qui sont en bois. Ça faisait trop ton sur ton. Enfin bref, j'ai recouvert mes petites brochettes. Mes petits pics à brochettes avec du washi tape. Et pour ça j'ai utilisé de la couleur menthe, bien évidemment, c'est ma couleur préférée. Il fallait une couleur qui tranche, donc je me suis dit c'est l'idéal. Bref, du coup tu prends ce que tu veux, voilà. Tout ça pour dire ça. Et ensuite sur les côtés de ma boîte, je suis venue faire des encoches pour pouvoir mettre mes pics à brochettes à l'intérieur. Donc je prends les mêmes dimensions de chaque côté. Alors je t'ai pas donné les dimensions exactes parce que tout dépend de la boîte que t'as choisie aussi. Et maintenant il n'y a plus qu'à ranger tous tes petits bracelets sur les pics à brochettes. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi mettre des bagues ou même des boucles d'oreilles. Et autre petite variante, si tu décides de mettre qu'un seul pic à brochettes tout en haut de la boîte, et bien tu peux même mettre des colliers. Après c'est comme on veut. On passe à la troisième version et pour ça je viens récupérer le couvercle de la boîte à chaussures. Et je viens de découper des languettes à l'intérieur. Alors honnêtement les miennes je les ai fait beaucoup trop petites. Mais j'ai pris le reste de la boîte donc j'avais pas trop le choix. Si tu choisis cette méthode là, je te conseille de prendre des languettes beaucoup plus grandes. Parce que c'est pas possible. Donc j'ai découpé en tout 5 tranches de carton. Que je viens coller les uns sur les autres pour avoir quelque chose d'assez épais qui tienne le coup. Et encore une fois, je viens emballer ça dans du papier cadeau, exactement le même. Et je reprends des pics à brochettes que j'ai aussi mis avec du washi tape. Et maintenant, je viens découper mes pics à brochettes pour avoir un dégradé. La baguette qui ira tout en haut sera plus petite que celle qui est en bas. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, j'ai enlevé 5 cm à chaque fois. Ensuite, j'ai marqué l'emplacement au centre de chaque petit pic. Et pareil sur... mon support. Je suis venue marquer l'emplacement au centre. Et je suis venue coller ça avec de la colle chaude. Et maintenant, à l'arrière de ce support, j'ai décidé de faire un trou pour pouvoir l'accrocher au mur. Et pour ça, j'ai pris un clou que j'ai planté dans le mur et je suis venue mettre mon support dessus. Et j'ai plus qu'à mettre mes bracelets dessus. Et pareil, on peut rajouter des bagues ou même des boucles d'oreilles. Thank you.
Allez, on passe à la dernière version et pour ça je viens encore récupérer le couvercle de la boîte à chaussures et je viens découper un carré de 15 par 15 à l'intérieur. J'ai aussi récupéré un rouleau de sopalin et comme précédemment, j'ai emballé tout ça dans du papier cadeau. C'est un magnifique cadeau, waouh! J'ai aussi mis du papier cadeau sur le haut du rouleau de sopalin parce que ça va être, c'est une partie qui sera visible et puis bah, ça serait couillon s'il y avait un trou au milieu. Donc je l'ai recouvert. Et je suis venue coller mon rouleau de sopalin au centre du support carré. Pour camoufler l'extrémité qui n'était pas très jolie, j'ai décidé d'avoir ajouté un morceau de cordelette. Et maintenant, comme précédemment, si je peux dire, eh bien je viens marquer l'emplacement des piques à brochettes. Bah oui, je l'ai oublié de le dire aussi, je vais encore utiliser, encore une nouvelle fois, des piques à brochettes. Que j'ai encore enroulé dans du washi tape couleur menthe, bien évidemment. Donc j'ai pris des repères à 5 cm, comme à chaque fois. 5 cm, c'est mon chiffre préféré, le 5, donc c'est pour ça. Donc faut bien faire recto, verso, les opposés l'un de l'autre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc moi, personnellement, j'en ai mis 3, j'aurais pu en mettre que 2 ou 4, c'est comme on veut. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à mettre tous ces bracelets dessus. Et on peut encore une fois mettre des bagues ou des boucles d'oreilles. Je dis ça, je dis rien, mais tous les bracelets que tu peux voir à chaque fois sur mes présentoirs sont disponibles sur ma boutique. Bon, même s'il y en a quelques-uns qui sont de ma collection personnelle, mais c'est pas grave. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai quand même réussi à faire 4 petits supports pour bracelets avec une simple boîte à chaussures et des piques à brochettes. C'est pas génial ça quand même? Donc voilà mes 4 petites astuces pour ranger les bracelets, pour que ça soit plus facile à se repérer. N'hésite pas aussi à me dire lequel de ces petits rangements t'as le plus plu, celui pour lequel tu aurais plus penché, et si tu es prête même à le faire chez toi. En tout cas, ça a beaucoup plu à mes filles parce qu'elles me les ont piquées, donc je n'ai rien pour moi, je suis obligée d'en refaire. Alors n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si ça t'a aidé, si ça t'a intéressé, si ça t'a donné des idées, si tu vas essayer de le refaire chez toi en améliorant certaines petites choses ou pas, enfin bref. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Mais dans tous les cas, j'espère sincèrement que ça t'aura plu. Et la prochaine vidéo DIY, eh bien faudra attendre le mois prochain pour ça parce qu'il y a une vidéo DIY par mois. Et en attendant, eh bien je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!